Bonjour Raphaël Kraft. Bonjour Sarah Polacci. On va parler de vos travaux et plus particulièrement de votre dernier ouvrage, Les enfants de la Clarée, qui est apparu aux éditions Marchiali. Vous y racontez comment, en 2017, à la frontière franco-italienne, dans le col de l'Échelle, vous avez croisé le chemin de quatre jeunes migrants, mais pas seulement. Vous avez aussi découvert la détermination et l'engagement de certains des habitants de cette vallée, de ce village qui s'appelle Névage, qui est au pied de ce col de l'Échelle, dans la vallée de la Clarée. Un engagement humain pour certains qui serait presque de l'ADN de la vallée, puisque ce qu'on découvre aussi dans votre récit, c'est que porter secours aux personnes en danger, aux exilés, est pour certains une évidence, parce que dans cette vallée, il y a des histoires de lutte. On a lutté contre la construction d'un tunnel, on a lutté aussi contre la construction d'une route, comme si dans certains endroits, finalement, on portait les luttes comme ça, cheville au corps. Vous racontez ces luttes, vous racontez la rencontre que vous faites avec ces jeunes migrants. Mais vous racontez aussi votre propre expérience. Vous mettez en scène le journaliste que vous êtes, le grand reporter que vous êtes, et ce n'est pas la première fois, on y reviendra. Et puis, c'est un livre, un récit qui nous montre aussi comment vous êtes un amateur de la montagne, comment vous êtes aussi un aventurier, un voyageur, et comment les paysages sont aussi importants. On va revenir sur tout ça, et puis sur la démarche que vous avez, parce que on a l'impression aussi que quand vous allez quelque part, quand vous faites des rencontres, il y a toujours un fil qui se tire et ça vous emmène à d'autres endroits. Parce que de la vallée de Clarée, vous irez un an plus tard en Guinée-Conakry. Parce que ce que vous apprenez en y étant, c'est que la majorité des migrants qui passent par le col de l'Échelle viennent de Guinée-Conakry. Et vous irez voir ce qui s'y passe, alors que vous n'avez encore jamais été jusque-là pour comprendre, en tout cas pour questionner la migration. Voilà beaucoup de choses, beaucoup de tiroirs qu'on tirera. On parlera peut-être de liberté dans votre façon de travailler, d'engagement aussi, et peut-être de la façon dont vous vous tenez, j'ai le sentiment, hein, depuis quelques années, à la frontière entre le reporter et le citoyen, c'est-à-dire le reporter qui se veut juste, qui se veut informatif, et le citoyen qui peut parfois être ému ou révolté. Et ça depuis peut-être 2015, qui a marqué un tournant dans votre travail avec Passeur, l'histoire de ce livre et de ce reportage que vous avez fait, là encore, sur les migrants, où vous avez, à un moment donné, aidé des migrants. Et vous avez donc un tout petit peu déplacé le curseur, où le reporter est devenu le citoyen qui a eu envie d'aider. Peut-être commençons par là. Depuis 2015, ce livre-là, Passeur, est-ce que vous avez un tout petit peu changé votre façon de travailler ou votre regard? Non, je ne crois pas. La frontière entre ma vie privée, mon travail de reporter a toujours été assez floue. En 2009, je pars en Afghanistan en m'étant engagé dans la Légion étrangère. Donc, c'est pas forcément. On est loin des questions migratoires, même si la Légion étrangère est un formidable outil, selon certains, d'intégration. C'est des rencontres, c'est des opportunités, c'est des.
Moi, quand je pars en reportage, j'essaye de. Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que je suis toujours un petit peu désargenté. Alors, je vis bien, j'ai une famille, j'ai un logement. Mais quand je pars en reportage, bah, j'essaie de négocier des frais, etc. Mais j'essaie de ne pas aller à l'hôtel pour pouvoir rester le plus longtemps possible sur place. Et donc, quand on se retrouve un petit peu sur des chemins de traverse, bah, nécessairement, on fait des rencontres qui ne sont pas attendues. Et effectivement, quand je pars en reportage, bah, je vais rencontrer quelqu'un qui va me faire rencontrer un tel, un tel, un tel. Même si, comme tout journaliste, j'ai une batterie de contacts avant de partir, mais j'essaie de ne pas, comment dire, trop m'y attacher. J'essaie de faire parler toutes les parties, évidemment. Mais il y a toujours, effectivement, une rencontre qui m'émeut, qui est très souvent une amitié en devenir. Et donc, à partir de là, au risque d'une grande subjectivité, bah, va se dérouler un fil, effectivement, où l'histoire va peut-être, j'espère en tout cas, prendre un petit peu plus de chair, dans la mesure où j'aime les gens avec qui j'interagis dans le cadre de mon métier. Et ce n'est pas forcément des citoyens, entre guillemets, des solidaires, entre guillemets. Ce peut être des gens très conservateurs, voire bah, des légionnaires, en l'occurrence. La qualité de la personne m'importe peu, sinon son humanité. Et à partir de là, bah, voilà, je raconte une histoire. Et quand j'écris un livre, j'ai jamais pour projet d'écrire un livre. Tiens, je vais écrire un livre là-dessus. Non, c'est l'histoire qui vient. Et s'il y a une histoire, à ce moment-là, oui, je vais écrire un livre. Une histoire à partir des hommes que vous rencontrez, et ça fait presque une série de portraits, hein, notamment dans ce dernier ouvrage, Les enfants de la vallée de Clarée. Et peut-être que la première personne que vous rencontrez, on peut peut-être commencer par lui, c'est Bernard, qui est une personnalité importante. C'est lui qui vous accueille chez lui. Et c'est lui qui organise, qui ordonne, qui délègue, qui commande justement les secours en montagne des migrants et les accueille dans le village. Peut-être nous parler un tout petit peu de cette personne dont on apprend qu'il est décédé à la fin de votre livre. Lorsqu'on voit Bernard pour la première fois, on est tenté de le caser comme étant un ancien officier d'active. Il est du genre à avoir un petit foulard en soie quand il va au monument aux morts le 11 novembre, avec un pantalon. Un pantalon, merde, pardon, suite. Bref, il est habillé pour comme un grand bourgeois. Ouais, Et puis quand on creuse un peu, et j'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas et qui l'ont rencontré à travers ce drame qui se jouait au col de l'Échelle, qui se joue maintenant davantage au col de Montgenèvre, beaucoup de personnes qui l'ont découvert lors de ce drame avait une propension à ne pas lui parler ou à le considérer comme le réac de la vallée. Et en fait, effectivement, c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe que ça. Alors oui, c'était le lieutenant le plus décoré de la guerre d'Algérie, mais c'est aussi lui qui a sauvé ses hommes en les rapatriant, en les faisant rapatrier clandestinement en France. Il est issu d'une famille de plus de 10 enfants, catholique, mais ouvrière, avec des enfants d'origine malgache et africaine, d'une façon plus générale, adoptés. Ensuite, il s'est fait virer, enfin, bah, il ne s'est pas fait virer de l'armée, mais on lui a fait comprendre qu'il fallait que sa carrière demeurerait bloquée. Selon lui, c'est parce qu'il a voté main d'aise aux législatives à Grenoble en 68. Donc effectivement, c'est un personnage intéressant, qui est complexe, et qui, fort de cette personnalité, qui a l'âme d'un chef aussi, s'est mis à organiser, centraliser le sauvetage en montagne, l'accueil et le transfert vers la plaine de ces personnes majoritairement d'origine africaine. Et majoritairement et beaucoup de mineurs aussi. Majoritairement d'origine guinéenne pour les Ouais. mineurs, oui. Et donc, effectivement, Bernard, c'est quelqu'un d'attachant. C'est quelqu'un d'attachant et c'est marrant parce que je suis
pas forcément, j'ai pas un tropisme militaire, mais la particularité de Nevache, c'est que le Marcello qui tient l'épicerie du village, c'est un ancien légionnaire du 2e REP. Le maire du village, c'est un ancien paracolo, colonel d'active également. Et ce sont des personnes qui sont très impliquées dans le sauvetage des gens, dans leur accueil, alors qu'ils disent « on ne fait pas de politique, on ne fait pas de politique », ce qui est un discours qui est assez présent chez parmi les montagnards et parmi les marins, pour ce qui concerne le sauvetage en mer, notamment à SOS Méditerranée, et que d'aucuns parmi les personnes qui ont une posture politique sur cette question critiquent justement pour leur absence de posture politique et simplement humanitaire. Et donc voilà. Et ce qui m'intéressait dans ce village, c'est qu'effectivement... on a tendance à penser que l'accueil, que les questions migratoires sont définies selon une ligne gauche-droite. Et c'est pas mon avis. Un sondage dans Le Monde qui a été fait il y a 2 ou 3 ans insistait sur les catholiques, montrait justement que le clivage sur les questions migratoires ne se situait pas entre droite et gauche, mais qu'on pouvait trouver des cathos sociaux très rétifs à l'accueil et des cathos tradis très engagés dans l'accueil. Mmh. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans le village de Nevache, où effectivement, bah, ce sont des gens qui sont pas forcément politisés, et quand ils le sont pas forcément du côté que l'on croit. Mmh. Qu'est-ce qui vous emmène ? Revenons au début, qu'est-ce qui vous... amène dans ce village. Vous lisez des articles, vous le dites au début du livre, hein, dans Mediapart et La Croix, qui parlent effectivement d'une possible voie de passage, de frontière pour les migrants sur ce col de l'échelle. Et vous ne lisez plus rien d'autre après. Vous y allez pour voir si ce passage existe vraiment. Quelle est votre attente quand vous arrivez? Je connais à peu près un spectre assez large concernant les migrations contemporaines. Un mois plus tôt, j'étais sur l'Aquarius au large des côtes libyennes. Et oui, j'ai vu passer ce papier dans La Croix et sur Mediapart. Expliquant que des gens passaient par l'école de l'échelle et de Montgenèvre, principalement l'échelle, alors que toute l'attention depuis 2015, depuis même 2011, au moment des révolutions dites arabo-musulmanes, toute l'attention était portée sur la voie de passage située entre Menton et Vintimille dans les Alpes-Maritimes. Et là, soudain, on a une nouvelle voie qui s'ouvre. Alors les experts se perdent en conjectures pour expliquer, et on a tendance à dire, bah voilà, puisqu'il y a plus de policiers à Menton, et ben les gens contournent, ce qui est classique lorsqu'on étudie les questions migratoires. Mais la différence, c'est que autant à Menton, la population qui passe est très hétérogène, originaire d'Afghanistan, d'Iran, de Tunisie, d'Afrique, d'Afrique de l'Est notamment, d'Afrique de l'Ouest, alors que dans le col de l'échelle, ce sont simplement des Africains, enfin principalement à 95% des Africains de l'Ouest. Et donc, comme je suis freelance indépendant, j'essaie d'aller dans les endroits qui ont été peu couverts. Mmh. Et mon nez me disait qu'il allait se passer quelque chose là-bas, notamment avec l'hiver arrivant. Pendant l'été 2017, énormément de personnes sont passées par le col de l'échelle. Et il y avait une crainte parmi à la fois les gens de Nevache, mais aussi ceux de Briançon et des villages et vallées alentours, de voir des gens passer en plein hiver, dans la neige, dans des conditions extrêmement difficiles, avec à la clé la possibilité de grandes blessures, ou voire de tragédies. Mmh. Et vous irez, votre nez a bien senti les choses, parce que vous allez découvrir au-delà de vos espérances, finalement. Et quand je disais que vous allez croiser des migrants, effectivement, et en plein hiver, vous allez, comme on le disait tout à l'heure, rencontrer vraiment toute une organisation au sein de ce village. Et ça, je trouve que c'est ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de voir comment ça s'organise avec des gens complètement différents et qui n'ont finalement aucune ambition politique, si ce n'est
que de secourir des gens. C'est quand je disais dans l'ADN, ce qu'on découvre aussi avec ce livre, c'est aussi toute une vallée et toute son histoire, parce que vous nous racontez bien au-delà de ça. C'est comment on peut porter en nous des luttes et simplement le besoin de d'aider, de secourir et d'être fier de l'endroit dans lequel on vit. Et je trouve ça très important dans ce récit. Alors je me permets de tempérer votre référence à l'ADN de la vallée qui serait solidaire. Tout le monde n'est pas comme ça. Oui. Non, mais en l'occurrence, ce que je pense expliquer en creux dans ce livre, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas les gens originaires depuis des générations de cette vallée qui se portent au secours, nonobstant leur âme de montagnard. Ce sont ce qu'on appelle les shaddocks, c'est-à-dire les pièces rapportées. Les gens qui s'installent dans les années 70 et qui, après 50 ans de vie à Névache, ne sont toujours pas considérés comme névachais. Alors, c'est vrai qu'il y a une figure dans cette vallée qui s'appelle Émilie Carl, qui, elle, est née dans la vallée de la Clarée, dans le village de Val-des-Prés. Donc, son père était né là-bas. Mais Émilie Carl, c'est un petit peu le mouton noir de la vallée, dans la mesure où elle va, lors d'un voyage à Paris pendant la Première Guerre mondiale, s'ouvrir aux idées libertaires, aux idées anarchistes, et va revenir comme enseignante, pas seulement dans la vallée, mais dans l'ensemble du département des Hautes-Alpes, et va ensuite, elle, porter quelques-unes des luttes que vous avez citées, et autour d'elle se sont agrégés effectivement des shaddocks, des étrangers, avec la participation de personnes qui sont là depuis des temps immémoriaux, mais ce sont principalement des gens extérieurs à la vallée, enfin des gens qui y vivent depuis des décennies, mais qui ne sont pas considérés comme tels. Qu'est-ce que ça dit finalement ça? Parce que je vais vous lire, vous dites: de tout temps s'installer en Clarée ou dans quelques vallées isolées des Alpes, c'est devoir s'armer de courage et de détermination pour affronter l'opprobre de la population de souche, trouver un logement, travailler dur pour faire son trou et si possible construire sa maison de ses propres mains. Ce que font plein d'autres et ce que fait Jean-Gabriel que vous rencontrez aussi, qu'est-ce que ça dit des lieux comme celui-ci finalement, de devoir se battre, s'armer pour faire son trou et finalement, et comme vous le dites, que ce soit finalement les étrangers qui défendent la terre qu'ils ont adoptée. Alors, je ne sais pas s'ils défendent la terre qu'ils ont adoptée. Ils défendent une certaine idée de la République, de l'âme montagnarde. Et là, en l'occurrence, Jean-Gabriel Ravary, un des personnages de ce livre, c'est quelqu'un de buté, d'obstiné, de taiseux, et qui a une plus forte propension à agir qu'à parler. Donc voilà, c'est des gens qui trouvent insupportable l'idée selon laquelle, sur le territoire de leur commune, il puisse y avoir des personnes, quelles qu'elles soient, en danger. Et donc, ils s'organisent pour aller les sauver. Mmh. Et ensuite, se mettre dans des situations, non pas d'infraction, mais dans des situations où les forces de l'ordre, elles, sont dans une situation d'infraction. Et donc mène la vie dure à toutes les personnes qui aident, parce que, en l'occurrence, les forces de l'ordre, le gouvernement et les gouvernements successifs comptent sur la chaîne des Alpes pour l'utiliser comme une frontière naturelle et infranchissable, en tous les cas difficilement franchissable. Mmh. Peut-être expliquer effectivement, quand vous dites les forces de l'ordre qui sont hors la loi, en tout cas concernant les mineurs, pas seulement concernant les mineurs, c'est-à-dire que hors la loi, c'est peut-être pas le bon terme, ils font du zèle, c'est-à-dire que il se trouve que si vous prenez un Africain en stop dans la vallée de la Clarée et que vous vous faites arrêter par la police, vous pouvez être considéré comme passeur parce que la législation, notamment Schengen et les accords de Chambéry et entre l'Italie et la France, permettent aux forces de l'ordre d'interpeller des personnes dans un rayon de 20 km
et de les notifier d'un refus d'entrée. C'est comme si elles étaient encore en Italie, à 20 km à l'intérieur de la France. Et donc, transporter quelqu'un irrégulier, sans papier, c'est faire de vous un passeur. Et en ce sens, les forces de l'ordre, le préfet, le ministère de l'Intérieur, et on le voit très régulièrement dans la presse, toutes ces personnes qui sont... tous les procès qui ont lieu... les quatre de Briançon, Cédric Héroux. Cédric Héroux, il n'a jamais fait passer personne d'Italie à la France. Il va de chez lui en France jusqu'à Nice en France, avec des gens dans sa voiture. Je simplifie. Vous allez vous confronter à tout ça, hein, parce que je disais, vous allez faire des maraudes, comme on dit, pour et suivre Jean-Gabriel et pour vous. En l'occurrence, Alain, oui. C'est ouais. Alain, pardon, ouais. Oui, le guide Alain. De montagne. Ouais. En espérant, finalement, en tant que journaliste, vous dites, hein, je laisse mon micro allumé parce que vous êtes là en reportage, donc quelque part, il y a toujours une envie de vérifier ce qu'on s'attendait à trouver. Et vous allez tomber sur des migrants. Et vous allez croiser aussi des policiers qui font les tournées la nuit. Mais c'est toute l'ambiguïté de notre métier de reporter, c'est-à-dire que on est là pour capter, rendre compte du réel, et donc on est satisfait lorsque on est confronté au réel. Sauf que le réel, il est dramatique. Donc effectivement, quand vous allez faire une maraude de nuit sous la neige par -10, bon, bah il y a une dimension romanesque, c'est toujours sympa, je ne sais pas si c'est le terme, mais oui, c'est l'aventure, on ne sait pas, il y a cette notion de quête, quoi. Et quand vous tombez sur des personnes transit froid et que vous arrivez à capter ce moment, c'est pas que vous êtes content, mais ça fait partie du message essentiel. Et donc, il faut le rendre compte le mieux que possible. J'ai fait plusieurs maraudes, puis c'est la dernière où, effectivement, je suis tombé nez à nez avec quatre mineurs. Et c'est vous déclarés. Qui les entendez. C'est vous qui entendrez le petit bruit. La branche craquée. La branche craquée. On ne va pas tout raconter, mais vous allez les accompagner. Vous allez rencontrer les policiers. Vous garderez contact avec l'un des migrants hein, qu'on retrouvera un peu plus tard. Mais quand je disais que dans le cadre de vos reportages, et vous le disiez au début, il y a des rencontres qui se font, puisque vous rencontrez les gens, vous n'allez pas à l'hôtel, vous allez le plus souvent chez l'habitant. Et il y a des attachements, et il y a aussi des questions qui vont plus loin. Vous allez rencontrer d'autres personnes et vous allez avoir envie de vous poser une question par rapport à l'origine de certains migrants. Et vous vous retrouverez un an plus tard en Guinée-Conakry. Alors, avec deux missions. Une qui est la vôtre propre de comprendre pourquoi ces jeunes viennent de Guinée et quittent la Guinée et passent par ce col de l'échelle, entre autres. Et puis l'autre mission, c'est ce que vous proposez à l'institutrice du village, d'être un peu le porte-radio des élèves et d'aller faire du reportage en Guinée et d'aller poser des questions et faire le reportage que eux veulent. Hein. Donc il y aura plein de questions différentes, notamment autour de la biodiversité, etc. Ça, c'est un an plus tard et vous nous relatez ça. Ça s'est fait aussi simplement que ça, des rencontres et l'envie d'aller voir vraiment l'origine. Non, c'est un concours de circonstances, des opportunités. Il se trouve que j'ai un vieux copain et confrère avec qui j'ai pas travaillé avec lui, mais qui j'ai arpenté les couloirs de France Culture pendant des années, qui s'appelle Alain de Valpo, et qui a créé une organisation, il y a déjà plusieurs années, qui s'appelle Globe Reporter, qui est une organisation d'éducation aux médias. Et le principe de cette organisation, c'est de mettre à disposition un journaliste professionnel et de l'envoyer dans un pays étranger en qualité d'envoyé spécial de plusieurs classes, du CP à la terminale.
Et quand j'ai vu la situation à Nevache, je me suis dit qu'il était opportun d'appeler l'attention de l'institutrice, enfin, des deux institutrices du village et de leur dire, voilà, vous voyez passer, vos élèves voient passer, les parents de vos élèves accueillent pour un certain nombre des mineurs guinéens ou des majeurs ivoiriens ou sénégalais. Est-ce que ça vous intéresserait que je parte comme envoyé spécial des enfants de la classe de Nevache en Guinée pour essayer de tenter de les aider à comprendre les raisons qui poussent ces personnes à partir. Et puis pas seulement comprendre pourquoi les gens partent, mais connaître, comprendre ce que c'est qu'un pays d'Afrique, un pays les plus pauvres d'Afrique, enfin en tous les cas pour ce qui concerne sa population, pas son sous-sol. Et ce voyage était rendu possible en étant envoyé spécial à la fois de la classe de Nevache, mais d'un certain nombre d'autres classes pour le rendre viable. Et c'est ainsi qu'effectivement, un an plus tard, jour pour jour, je suis parti pour Conakry, la capitale de la Guinée, de la République de Guinée, et pour répondre aux attentes de mes rédacteurs en chef qui avaient 20, 30, 40 ans de moins que moi, et faire des reportages en Guinée tout en ayant un œil sur la chose qui m'intéresse, effectivement, la question des migrations. L'Afrique, vous dites, finalement, pour vous, l'Afrique, quand vous étiez petit, c'est quelques livres, hein, c'est le Lion de Kessel, c'est Daktari, et puis c'est Uyarzour, en gros, c'est ce Je ne dis pas que prisme-là. ça. Je dis que la génération d'avant, c'était ainsi, que ma génération, c'est ainsi, et que la jeunesse, en l'occurrence les enfants et leurs instituteurs ou professeurs qui m'envoient là-bas, ils ont un vocable qui m'était inconnu à leur âge. Biodiversité. Francophonie, biodiversité, développement, co-développement sont des choses qui ne me parlent pas trop. Et du coup, vous allez, et grâce peut-être aussi à leurs questions, vous allez découvrir d'autres choses. Finalement, c'est intéressant aussi. Il y a une espèce de peut-être d'ouverture de champ qu'on n'aurait peut-être pas fait s'il y avait eu la question Tout à des fait, jeunes. tout à fait. Grâce à eux, je vais sur des terrains que je n'aurais pas eu l'idée d'explorer. Et pour mon plus grand plaisir, je vais quand on me demande d'interviewer un garde forestier dans un parc national, partir en quête d'éléphants D'éléphants. de forêt, gravir les monts Nimba, ça permet de comprendre la faune, de comprendre le sous-sol et puis tous les enjeux sur les minerais, sur la façon dont ce pays est pillé d'une certaine façon par ses élites. Est-ce qui vous fait écrire, les populations sont souvent laissées pour compte au profit de la faune. Le plus souvent, les grands fauves et les espèces remarquables, comme les deux frères éléphants de Ziama, héritage colonial d'une Afrique fantasmée, sauvage et vierge. Là, c'est un grand sujet, ça, sur la façon dont s'est orchestré la protection de la nature en Afrique. Il y a un livre qui est sorti récemment là-dessus. Je sais plus, je l'ai dans mon sac, mais je me souviens plus du titre que je suis en train de lire. Non, non, c'est cette idée selon laquelle et ces enfants et moi le premier quand j'avais leur âge, on porte davantage d'attention sur la faune et particulièrement la grande faune, hein, et particulièrement cette faune qui archétypique de l'Afrique et de l'idée qu'on se fait de l'Afrique, c'est-à-dire sauvage, vierge, pristine. Donc les éléphants, les lions, les panthères, les hippopotames, les rhinocéros, mais bon, les petites bestioles comme ça qui sont tout aussi importantes, on s'en fiche. Et quant aux populations qui vivent autour, effectivement, elles ne sont pas. Elles sont très souvent laissées pour compte, effectivement, puisque la protection de la nature implique d'écarter ces populations, avec cette idée selon laquelle l'Afrique, avant la colonisation, il n'y avait personne, quoi, il n'y avait que des animaux sauvages. Qu'est-ce que vous découvrez en allant là-bas?
finalement. Je découvre un pays exsangue, un pays marqué. Alors, j'étais allé dans des pays, je suis allé dans des pays qui ont vécu la dictature. Je suis allé en Irak, en Syrie. Vous avez été correspondant de guerre en Irak, oui. En Syrie, en Égypte. Dans une autre mesure, au Maroc, en Tunisie, en Amérique latine, etc. Mais c'est toujours marquant d'arriver dans un pays où il y a eu 25 ans d'une dictature extrêmement forte, en l'occurrence celle de Sékou Touré, sans forcément bien comprendre les tenants et les aboutissants, ou l'héritage de cette dictature, c'est comprendre toute la violence politique qui est... Qui en a découlé après la mort de Sékou Touré. Et puis la saignée migratoire, précisément, puisque sous Sékou Touré, on estime à 2 millions le nombre de Guinéens qui ont quitté le pays, et notamment ses élites. Alors les élites ont pu aller aux États-Unis ou en Europe, mais la plupart des Guinéens, dans les années 60-70, vont partir dans les pays limitrophes pour créer des diasporas à Dakar, en Gambie. Vous dites que l'immigration, vous le reprécisez, effectivement, est très intra-africaine. Oui, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Oui, effectivement, le 80% des migrations en Afrique sont internes à l'Afrique. Et pour la Guinée, c'est particulièrement vrai, puisque il y a une communauté guinéenne très importante à Dakar. Et que les enfants, les mineurs qui quittent la Guinée n'ont pas forcément un projet migratoire préétabli, mais avancent en saut de puce pour la minorité d'entre eux arriver sur les côtes européennes. Vous faites beaucoup de rencontres aussi en Guinée. Je disais, ce livre a vraiment fait de portraits humains aussi. Et parmi les gens que vous rencontrez, il y a ce chauffeur de la personne qui vous accueille, c'est Alpha Oumar, c'est bien ça, qui à un moment donné vous accueille chez lui et vous sentez un peu la détresse d'un père. Et il vous dit, vous écrivez, il a fini par pleurer d'être un père misérable, incapable d'infléchir le destin tout tracé de ses enfants. Un jour, je lui ai demandé s'il avait déjà pensé à émigrer. Il vous répond, bien sûr, tous les Guinéens veulent partir, mais avec quel argent? Oui, je mettais ces paroles en exergue pour rappeler que la migration, et notamment la migration vers l'Europe, est conditionnée par le niveau de vie des personnes, et que le développement d'un pays est la condition pour augmenter la migration. Enfin, que la migration n'est possible que lorsque la population atteint un certain niveau de revenus, ce qui est le cas du Mexique avec les États-Unis. Avant, il n'y avait pas beaucoup de Mexicains qui pouvaient partir aux États-Unis. Maintenant, il y en a plus, parce qu'ils ont les moyens, effectivement, de partir. Et que les politiques mises en œuvre aujourd'hui par l'Union européenne, enfin, cette espèce d'idée selon laquelle le développement va freiner l'immigration, et que c'est presque un argument de collecte de dons. Donnez-nous de l'argent pour construire des puits en Afrique et comme ça les gens restent chez eux à travailler, mais c'est pas ça, c'est tout le contraire. Et vous découvrez les campagnes de propagande anti-immigration aussi. Alors oui, alors c'est quelque chose que je découvre effectivement. Je savais qu'il y avait des communications qui étaient faites et financées par l'Union européenne. Et via des artistes, via des chanteurs, entre autres. Pour freiner l'émigration vers l'Europe. Mais je pensais qu'elles étaient surtout orientées sur les dangers de la route. Comme c'est le cas dans le col de l'Échelle, il y a eu beaucoup de communications des guides de haute montagne, à la fois italiens et français, à la gare de Bardonecchia, côté italien, pour dire attention. Vous traversez un endroit hostile,
Au moins équipez-vous, vous ne pouvez pas y aller en basket, prenez de l'eau, c'est dangereux. Ça, c'est quelque chose que je comprends. Sauf qu'en Afrique, il se trouve que ceux qui financent ces messages en Afrique, c'est l'Union européenne, et c'est cette même Union européenne, via l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Sauf que ces institutions sont précisément celles qui rendent la route beaucoup plus dangereuse, puisque on parle de l'externalisation de la frontière. Donc on est dans un monde où la frontière n'est plus physique, à Menton, à Calais, à Charles de Gaulle, à l'aéroport Charles de Gaulle. Non, c'est une frontière qui est de plus en plus loin du territoire national. Et elle se matérialise par le lobbying, pour ne pas dire la corruption, de députés pour voter des lois plus fermes sur les questions migratoires dans les pays d'Afrique. Ça se traduit par le financement de postes frontières plus performants, par l'installation de la biométrie, par la criminalisation des passeurs, par tout un tas de mesures qui font que, eh bien, on contourne les points de passage traditionnels et sûrs pour se retrouver sur des pistes au milieu du Sahara qui sont extrêmement dangereuses. Et puis on finance aussi. On finance des situations de corruption, puisque pour pouvoir passer, il faut donner de l'argent aux policiers, pour laisser passer, il faut prendre de l'argent. Et au-delà de ça, il y a aussi tout un volet d'influence, de propagande, qui incite le monde des arts et de la culture en Afrique à écrire à la fois contre la migration, et pour promouvoir une espèce de sédentarité heureuse, et donc des artistes comme Rokia Diallo, c'est ça, Rokia Diallo? Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Il y en a quelques-uns. Et donc des artistes comme Rokia Diallo va chanter une chanson Sois prudent, qui est financée par le ministère italien de l'Intérieur. Youssou N'Dour, qui va faire un clip financé par le gouvernement espagnol. Tel rappeur, tel groupe de rap en Guinée qui va écrire une chanson dont le titre est Ne t'en va pas, qui est financée et écrite par l'Organisation internationale pour les migrations. À tel point qu'un chanteur comme Tikenja Fakoli, qui est quand même l'auteur d'Ouvrez les frontières, eh bien son dernier album, quoiqu'il ne soit pas financé à ma connaissance par l'Union européenne, bah, dans une veine panafricaine, panafricaniste, incite les jeunes à rester au pays, alors que la condition du développement, c'est aussi la migration. C'est ce que vous écrivez. Alors, il y a aussi le retour de certains jeunes qu'on renvoie au pays, mais ils ne désespèrent pas de repartir. Vous rencontrez Mamouni, qui lui aussi a été, Moumini. Moumini, pardon, qui lui aussi a été, et a été renvoyé de France pour revenir en Guinée. Et il dit: je ne ressens aucune haine envers quiconque, même pas les policiers qui m'ont violenté. Je suis croyant, je vis une épreuve, vous dit-il, un énième départ. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est parti une fois, et d'ailleurs vous le voyez chez les migrants, hein, dans le col de l'échelle, ils retenteront toujours de partir. Je ne veux pas faire de généralité ni être grandiloquent. C'est un sentiment, mais effectivement, de tous les jeunes Africains de l'Ouest que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mes reportages sur les questions migratoires, il ressort sinon une détermination, mais surtout de la foi. De la foi en Dieu, de la foi en l'avenir, une envie énorme d'apprendre, d'aller à l'école, de réussir. Et donc, le col de l'échelle, c'est presque un détail sur leur trajet. Même si certains vont avoir des gelures, certains vont avoir des membres amputés. Bon, ceux-là, ils s'en souviennent, évidemment, mais
Mais il passe, quoi, de toute façon. Et d'ailleurs, en l'occurrence, les quatre protagonistes de ce livre, bah, ils avaient fait une première tentative, une deuxième tentative avortée, et ils passent à la troisième tentative. Donc, quand le ministère de l'Intérieur, je crois que c'était pour l'année 2016 ou 2017, parlait de 30 000 interpellations à la frontière, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rencontré un Érythréen qui a essayé de passer 12 fois. Donc, voilà, il va passer de toute façon. Et donc, on investit des sommes considérables. Et en l'occurrence, dans la région de Briançon, donc dans l'école de Montgenèvre et de l'Échelle, il y a ce que Bernard appelait, et l'ensemble des militants aujourd'hui à Briançon parlent d'une militarisation de la frontière, où effectivement, des moyens humains et technologiques sont déployés, que ce soit des lunettes de vision nocturne, des quads, des motoneiges, des militaires, enfin tout un tas d'énergie dépensée pour rendre cette route plus dangereuse, avec pour seul résultat des gens qui passent, et puis pas tant que ça, parce que c'est quand même la minorité de ceux qui ont perdu leur pays qui arrivent jusque devant la façade des Alpes occidentales. Et vous, Raphaël Kraft, parce que je le disais tout à l'heure, il y a eu Passeur qui est apparu en 2017, qui racontait comment vous aviez rencontré et aidé lors d'un reportage sur les exilés des migrants à passer entre Menton et Vintimille, c'est ça. Vous serez au col de l'Échelle en 2017, l'Aquarius, vous en avez parlé aussi en 2017, ce navire humanitaire, vous avez aussi fait un reportage là. Qu'est-ce qui fait que depuis quelques années, vous racontez l'exil? Et on le sent, il y a quelque chose que vous creusez. Certes, vous avez fait beaucoup d'autres choses. Je le disais, vous avez couvert des guerres. Vous êtes allé créer une radio, effectivement, au fin fond de l'Afghanistan. Vous avez été dans beaucoup de pays, mais depuis quelque temps, vous creusez quelque chose. Qu'est-ce qui vous a marqué à ce point de vouloir raconter autant l'exil et par la radio et par les livres? Quand on fait ce métier, les gens ont tendance à se spécialiser très tôt. Moi, pendant des années, je suis passé du Moyen-Orient à l'Amérique latine, aux Balkans, à l'Afrique du Nord, etc. Mais j'ai toujours été confronté aux questions de migratoires, aux questions de l'exil, que ce soit pendant les révolutions arabo-musulmanes, j'étais en Libye notamment, où la condition des migrants était sinon aussi dramatique qu'elle ne l'est aujourd'hui. En tous les cas, elle était dramatique. Quand vous faites du reportage de guerre, bah vous êtes confronté au mouvement de population. Enfin, c'est un sujet qui ne m'est pas étranger. En Libye, je n'ai couvert que des questions migratoires lorsque je m'y trouvais, en 2011, pendant la Révolution. J'ai fait beaucoup de voyages à bicyclette. Donc, j'ai traversé l'Amérique latine, une partie de l'Amérique du Nord à vélo pendant 2 ans. J'ai traversé le Proche-Orient à vélo, les Antilles, j'ai fait plein de tours de France. Et j'ai compris assez tôt, et je dis assez tôt parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément très vite. C'est une rencontre que j'ai faite au Pérou, donc en 1999. Je traversais l'Amérique latine et l'Amérique du Nord à bicyclette. Donc 35 000 kilomètres, 2 ans de voyage. Et au Pérou, j'ai rencontré un Belge il s'appelait Michel, qui avait jeté son passeport et qui vivait clandestinement entre le Pérou, la Bolivie, l'Équateur. Et j'ai vécu chez lui quelque temps. Et j'ai pris toute la mesure de ce que voulait dire le fait de jeter son passeport. Et toute la petitesse de ma démarche,
Puisque bon, traverser un continent à vélo, c'est bien. Mais avec un passeport Bordeaux, c'est facile. Y a aucun... Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience de ce que voulait dire la liberté de circulation, qui est un droit fondamental. Et donc aujourd'hui, voilà, les questions de liberté de circulation, ça me travaille un peu. Ça ne veut pas dire que je suis pour l'abolition des frontières. Mmh. Je pense que c'est important. Une frontière qui protège de la tyrannie, une frontière qui garantit la liberté, une frontière qui est la condition de l'hospitalité aussi. Hein, si vous, un jour, je suis rentré dans une cuisine, dans une maison de militants quelque part en France, il n'y avait pas de frontière, il n'y avait pas de porte, bah, personne ne m'a accueilli. Et donc, oui, c'est un sujet qui me travaille. Et puis, je suis tombé dessus par hasard, parce que j'habite dans le 18e à la Goutte d'Or, et qu'en 2015, il y avait un camp sous le métro La Chapelle, et qu'à l'époque, j'étais correspondant parisien d'une radio américaine, et ce sont des Américains de Californie qui m'ont demandé de faire un reportage sur ce qui se passait à 300 mètres de chez moi. Et donc, de fil en aiguille, on s'intéresse, et puis on creuse, pour découvrir de nouveaux sujets, de nouveaux enjeux. Et je pense personnellement que c'est un sujet heureusement ou malheureusement d'avenir, puisque les migrations ne s'arrêteront jamais et que la façon dont le monde tourne en ce moment nécessite qu'on s'intéresse à la façon dont sont traitées les frontières, les migrants, parce que y a de plus en plus de murs, puis de moins en moins ailleurs. Donc, voilà, ça m'intéresse. Ça. François Sureau signait la préface de Captain Thatcher, l'histoire de cette radio que vous montiez en Afghanistan il y a quelques années déjà. Et il disait, pour cette préface, il y a l'aventure quand on fait ce que vous faites aussi, parce qu'il y a aussi ce goût de l'aventure qui vous attire. Mais derrière elle, c'est toujours ce qu'elle révèle des autres et de soi-même qui importe. Il y a aussi de ça, quand je dis aussi que vous vous mettez en scène, qu'on sent des fois la frontière entre l'homme ému et révolté, parce que la révolte, de temps en temps, vous l'écrivez aussi dans vos récits. Je pense aussi à ce que vous disiez, finalement, ceux qui défendent la vallée d'une certaine manière sont souvent les étrangers. Je vous arrête tout de suite, Sarah Polacci. Qu'est-ce qu'il y a de révolté dans Les Enfants de la Clarée? Il n'y a que des faits. Oui, bien sûr, mais vous comprenez ce que je dis. Non, justement, c'est ça qui est dingue, c'est que je rencontre, je fais un reportage, je rencontre 4 enfants qui sont arrêtés par la police. Moi-même, je suis arrêté. Malgré mes documents de travail, etc. Bon, ça, c'est accessoire. Ces 4 enfants sont abandonnés dans la montagne. Et d'en parler, ce serait l'expression d'une révolte. Ou d'en parler, de rendre compte de ça, ce serait un engagement, une démarche militante. Ce qui est terrible, c'est que l'on considère ces infractions à la loi, ce manque d'humanité... raconter ça, c'est être militant. Non, ce sont des faits. Ça se passe aux confins de la République. Il y a des enfants qui sont arrêtés par la police, qu'on renvoie en Italie, à la bande frontière, à 1h du mat, sans leur donner à boire et à manger. C'est ça, la réalité. Et de raconter ça, c'est pas... Alors, c'est révoltant. Mais moi, dans mon bouquin, je me révolte pas. Je raconte ce qui se passe. Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça révèle de vous? Juste pour finir. Parce que on sait absolument rien. On est sur quelque chose aussi de littéraire, tout de même aussi, dans vos livres. Il y a un moment donné, un récit, et on raconte. Il y a le prisme aussi, vous comprenez, de ce qu'on raconte. Et ça passe par un autre prisme, à la différence, peut-être, alors à vous aussi de me dire non, c'est exactement la même chose, que l'autre médium radio, finalement. Il y a autre chose quand on passe aussi dans l'histoire racontée avec d'autres mots, et on va peut-être un peu plus loin ou pas. Je sais pas, je crois que c'est comme une recette de cuisine. Hein. Enfin, quand on raconte une histoire à la radio...
Bah, il y a la force du témoignage, des voix. De la branche qui craque, parce que je l'ai enregistré, la branche qui craque. Ouais. Et après, quand on le raconte dans un livre, moi j'essaie de plus en plus peut-être de raconter d'écrire des livres comme je raconte des histoires. Et j'espère que ça marche. Ma question venait sur le côté. Alors, pour finir juste la question, et on va oublier la révolte, mais c'est la question aussi d'étrangers de la vallée qui luttent pour la vallée. Vous me l'avez précisé au départ, c'est souvent des gens qui ne sont pas du cru. Bon, attention, des étrangers, c'est des gens qui habitent dans la vallée, qui viennent de la vallée d'à côté. Hein. Est-ce qu'il faut se sentir un peu décalé ou se décaler soi-même ou faire un pas de côté pour pouvoir raconter ces histoires et s'y intéresser? Alors, pour ce qui concerne les gens de la vallée de la Clarée et toutes les personnes qui sont confrontées de près aux questions migratoires, donc à Calais, à Bayonne, à Cerbère, à Menton ou Vintimille, on ne peut pas rester indifférent à ce qui s'y passe, pour autant que cela se passe en bas de chez soi, que l'on y soit confronté journellement. Et là, vous pouvez avoir reçu n'importe quelle éducation, être d'une quelconque obédience politique, vous portez un regard direct. Beaucoup de gens s'engagent, je veux dire, et c'est la force de la société civile française. Après, pour ce qui me concerne, je ne saurais pas répondre à votre question. Moi, je m'intéresse à cette question des migrations. Et puis, plus je lis de bouquins, plus je fais de reportages, plus je découvre d'autres histoires, plus je complexifie la chose. Je change mon avis, d'opinion aussi. Je porte un regard peut-être plus éclairé, je ne sais pas. Après, c'est une quête de quoi? Je ne sais pas. Je ne crois pas que l'objet migration soit une quête en soi. La quête, c'est... moi, ce que j'aime, c'est j'aime les gens, j'aime faire des rencontres. Bon, il se trouve que là, je travaille sur les questions migratoires. Est-ce qu'on peut finir sur Émilie Carle, puisqu'on a commencé avec elle, finissons avec elle. Vous citez un des extraits d'Une soupe aux herbes sauvages, alors que je n'ai jamais lu, que je ne connaissais pas. Qui a été traduit dans un nombre infini de langues, vendu à des millions d'exemplaires. Et je ne vais pas le lire dans sa totalité, mais cet extrait, vous le mettez dans ce livre-là, où elle parle des enfants, puisque les enfants sont importants, puisque c'est eux qui vont vous guider vers la Guinée et le reportage que vous allez faire là-bas. Apprendre aux gosses à lire et à écrire est une chose, c'est important, mais ce n'est pas suffisant, écrit-elle. Et plus loin, elle dit « Je leur parlais toujours de la liberté ». Leur répétant que cette fameuse liberté ne devait pas être un mot inscrit au fronton des droits de l'homme, une liberté abstraite et illusoire, mais au contraire, une réalité pour chacun d'entre eux. Est-ce que c'est ça aussi, finalement, que vous creusez? Est-ce que aussi ça a valeur, comme Émilie Carle, quand elle écrit ou quand elle parle aux enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi, alors non pas de... mais oui, pas d'un message, mais de quelque chose qu'on partage, cette question de la liberté, quand on questionne le monde comme vous le faites. Citer cet extrait n'est pas non plus anodin. C'est facile. Enfin, moi, j'ai un métier qui me permet de toucher ce genre de phrase du doigt, parce que je rends compte de situations dramatiques, je rends compte de situations, je sais pas, misérables ou que sais-je. Donc je vois l'effet d'une population comme celle de Nevache qui réagit. Voilà. Après, je suis pas curé et encore moins prêcheur. Et dans le monde dans lequel on vit, et quand on est urbain, là on est à Paris, je ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne voir la liberté que sur le fronton des mairies. Mais quiconque se retrouve avec
un camp de migrants au bas de la rue va réagir. Et généralement, les gens réagissent bien. C'est assez rare que les manifs anti-migrants du Front National ou de Génération Identitaire, c'est rarement beaucoup de monde, hein, c'est une dizaine de personnes. Globalement, les gens sont quand même bien en France. Vraiment. Et comment va Salif, un des migrants qui a traversé le col de l'échelle? Est-ce que vous l'avez revu? Je l'ai revu pour écrire ce livre. Je lui ai envoyé le livre. Mmh. Il est dans une ville du centre de la France. Et du message qu'il m'a écrit, il était très fier que j'ai raconté son histoire. Et je crois qu'il va bien et qu'il est heureux. Enfin, en tous les cas, il a un toit, il a un métier. Et je lui souhaite d'avoir une amoureuse. Et ça vous rend aussi heureux de savoir qu'il est fier que vous avez raconté son histoire parce que vous êtes le porte, alors porte-parole, porte-mot, comme vous pouvez être le porte-radio par moment, de ces gens-là. C'est important. Oui, enfin, en l'occurrence, il y a beaucoup de jeunes comme Saïf en France. Et je me réjouis qu'il y ait un boulanger à Besançon qui fasse une grève de la faim. Et là, il y a tout un mouvement, effectivement, qui se met en branle dans toute la France pour alerter les pouvoirs publics et l'opinion publique sur ces jeunes majeurs. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont arrivés mineurs non accompagnés en France, qui ont fait des études, qui aujourd'hui ont un métier. Et surtout qui ont un métier qui a besoin de main d'œuvre. Je pense notamment à la boulangerie, je pense au BTP. Il y a un couple là en Haute-Loire qui garde des bergers, qui ont un jeune africain de l'Ouest chez eux. Il y a tout un tas de mouvements pour alerter sur le destin de ces jeunes. Et c'est une bonne chose. Parce que c'est vraiment, et à nouveau, j'insiste sur toute la subjectivité de mon opinion à l'endroit de ces jeunes Guinéens. J'ai la conviction qu'ils sont vraiment, ils ont vraiment la niaque, quoi. Ils sont courageux. Et ce sont des exemples, en fait. Ce sont vraiment des exemples. Merci beaucoup. Merci, Kraft. Sarah. Les enfants de la Clarée aux éditions Marchiali, une rencontre dans le cadre du festival Effraction. Merci beaucoup.